Ah, salut tout le monde, on se redéploie une nouvelle vidéo, qui cette fois-ci est un nouvel épisode de Devenez une légende, et cette fois-ci on s'attaque au bouclier légendaire The Shame, qui est un bouclier fabriqué par Vladov. Alors comme tous les boucliers Vladov, il a une possibilité d'absorption, et c'est le bouclier avec la plus haute possibilité d'absorption, c'est-à-dire qu'il a une possibilité d'absorption entre 81 et 94%. C'est selon moi le meilleur bouclier défensif du jeu, vu que la plupart de tous les projectiles qui vous arrivent sur la gueule sont absorbés, et ça vous permet également de régénérer vos munitions de par le fait que tous les missiles absorbés sont ajoutés aux munitions de votre sac à dos. Donc de base il est looté par le bunker, et moi je l'ai looté sur Pyrolouf. Donc pour faire un Pyrolouf, faut vous rendre au P-Town, vous spawnerez juste ici, vous allez avoir un petit chemin à parcourir pour atteindre le bar de Pyrolouf, où il y a justement Pyrolouf l'invincible qui me l'a looté. Donc la mission pour débloquer Pyrolouf, c'est Pyrolouf l'invincible. Je précise une chose, donc là je l'ai looté lors du tutoriel du one shot de Pyro, et je précise une chose, c'est que il est looté de base par le bunker, parce qu'on débloque dans la mission principale interdit aux anges, mission principale du jeu, une des dernières missions, je crois que c'est la 14 ou 15e, et ouais, il me semble que c'est la 14e. Et il est beaucoup plus pratique de farmer le bunker que Pyrolouf pour l'avoir. Même si le bunker a une probabilité de loot pas énorme, Pyrolouf c'est encore moins. Donc moi, vu que j'ai looté sur Pyrolouf en live, je me suis dit bon, en plus au cours d'un one shot quoi, je me suis dit bon allez, je vais pas le farmer sur le bunker. J'espère quand même que ça vous dérangera pas. Et donc l'une des particularités de ce bouclier, et c'est d'ailleurs la particularité de tous les boucliers absorption, c'est qu'il aspire tous les projectiles, et que justement avec les lance-roquettes comme par exemple le Nerf Fleet qui dispose d'une AOE, ça vous permet de tirer des munitions à l'infini ou presque quoi, et avec une arme comme par exemple le Logan's Gun qui est un pistolet qui tire des balles explosives, ça permet de recharger vos roquettes. C'est donc un bouclier qui est très très offensif en fonction de la classe. Par exemple avec le commando qui dispose de beaucoup de compétences d'augmentation de dégâts de lance-roquettes, c'est vraiment un bouclier plus offensif presque que le Zebi. En plus il se recharge vraiment très très rapidement. Par contre il a un taux de rechargement pas énorme, mais bon, au total en moins de une seconde le rechargement est lancé, et si le rechargement est lancé, il y a une forte probabilité d'absorber les munitions, à savoir, enfin les projectiles plutôt, et à savoir que si vous prenez une balle lors du rechargement mais que cette balle est aspirée, le rechargement ne s'arrête pas, le rechargement continue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.